Le numéro 33 s'appelle Tessin Rose. Il nous est présenté par la SSA de la Chaussée, un fils de Alberto Giacometti et toujours rose par Chanmer. Le bon élément de cette famille, c'est Il Rose, la deuxième mère, qui a gagné le prix de l'avenir un an dans un terrain très lourd et qui a donné naissance à Prime Rose, une fille de Vidéoron qui a été elle aussi très très bonne, gagnante de 4 courses en obstacle, dont le prix Calabray et le prix Persiplat à Auteuil. Et d'ailleurs, Il Rose, la grand-mère, elle avait donné Violet Rose, qui a remporté en 2012, si ma mémoire est bonne, ce concours, qui ne s'appelait pas encore Chazordès, le concours de Paris. On peut marcher, s'il vous plaît. On le pourra leur poser après, ce destin rose. Voilà, donc Violet Rose, un fils de la Virco, présenté par Patrick Joubert, qui avait remporté ce concours, et après qui est devenu un bon cheval, un obstacle, il a gagné à Cluny, il a fait plusieurs perfs en plat et donc en obstacle. Destin rose, c'est le numéro 33. Alberto Giacometti qui fait désormais la monte en Bretagne, au Ras-Corlay, alors qu'il a fait longtemps, il a débuté sa carrière des talons. On va pouvoir trotter dans la foulée, il a débuté sa carrière des talons au Haras de Saint-Voire, jusqu'en 2012, donc, puisque c'est là qu'a été conçu ce destin rose. Le numéro...